C'est parti pour une nouvelle vidéo. Minusha, modératrice, Salam, Bébéchou, Hicham, Mistinguet, Ryan, toujours les mêmes, hein, on recommence. J'espère que vous allez bien. Bon, on va passer direct à l'action. Vous savez ce que je pense hein, sur la musique. Et comme je dis souvent, il y a des bonnes paroles à partager, mais la musique ne pourra jamais rien faire. Donc je vous conseille ni d'écouter ni d'en faire, comme ça c'est réglé. Mais bon, je partage quand même le bon message, puisque certains dénoncent en musique. Pourquoi pas? Il faut savoir aussi que je fais cette vidéo pour vous montrer aux jeunes que Nesbill a commencé bancal, mais il a fini autrement. Il a fini autrement, faut le savoir. C'est pour ça que je pense que cette vidéo va un peu être intéressante pour les petits jeunes. Parce que quand je vois le rap d'aujourd'hui, et nous faire penser que le rap c'est ça, hein, et nous faire croire que c'est le futur, et que... Non les gars, c'est juste qu'on a perdu nos valeurs, donc comme on a perdu nos valeurs, vous pensez que c'est ça. Alors que avec les valeurs, c'est pas ça le rap. Bref. On va directement à l'action. Il faut savoir qu'à l'époque, ça va être une mauvaise qualité. On s'en fiche. À l'époque, écoutez le discours de Youssoupha. À l'époque. Hein, c'est dans le temps où il chantait avec Booba, les filles à poil dans les clips, etc. Grosse chaîne. Bref, après, écoutez. Soi, vous allez voir. Voilà, c'est juste pour dire que moi, ma vision du rap, c'est pas, tu vois, la bibliothèque. Tu prends des livres et tu fais un album. On fait pas les albums à la bibliothèque. En fait, c'est une vision. Vous voyez, il est en train de critiquer le rap... de la bibliothèque, hein, comme il dit, est en train de critiquer le rap conscient, etc. Du rap que j'ai horreur du rap de balance. Hein. Ah, rap de balance pour lui, bon. Bah, à une certaine époque. C'est instinctif, c'est autre que mon rap, tu vois. Maintenant, sinon, j'ai écouté l'album à Médine. Niveau musical, c'est bien construit, mais voilà, tu sais, il y a quelque chose, c'est trop scolaire, tu vois. Il n'y a pas de chétane en fait. Voilà, en gros, c'est ça qu'il voulait dire, il n'y a pas de chétane dans le son. Donc, ça colle pas pour les âmes. Le rap, c'est ça, tu vois. Je ne dis pas, ouais, je dis pas, on est des fous, on a vécu du ouf, tu vois, mais je ne sais pas, faut que ça vient du diable. Ça vient du bibliothèque en fait. Moi, ouais, je plaisante. Mais voilà, je dis bien, à la fin du morceau, c'est pas un clash. Voilà, bon, vous voyez un peu ce qu'il pensait à l'époque, hein, que le rap conscient, c'est un peu. Voilà quoi, c'est un peu le rap scolaire et blablabli et blablabla. Hein. Et maintenant, vous pouvez voir aujourd'hui, façon de parler, pas aujourd'hui, mais on va dire, voilà quoi, à la fin de sa carrière. Et pourquoi je parle de lui, vous allez voir pourquoi je parle de Nesbill. Vous allez voir pourquoi je parle de Nesbill avec ce titre, c'est très important. Cette histoire-là, ouais, j'ai déconné un peu. Bon, maintenant on arrive... Dans le Nesbill d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai pas honte de dire que j'aurais pas dû dire ça. Parce que dans le sens, tu vois, je suis plus grand que lui, Médine. Je suis plus grand que lui, j'aurais dû réagir différemment par rapport à mon ancienneté dans le truc. Déjà, hein, les anciens ont un message positif à rapporter, etc. Bref. Pas fait pour le buzz, pour gratter. Voilà. J'aurais dû la garder. J'aurais pas dû faire ça pour le buzz, pour gratter, etc. Hein, je vous dis, cette vidéo, elle est importante, ouais, les gars. Et le ray, c'est un ray quand même, tu vois. Entre frères. J'ai peur, c'est parce que c'est un ray. Au final, je respecte leur démarche, je respecte leur truc. Tu sais, moi, je suis un impulsif, j'aurais pas dû dire ça, tu vois. Quoi qu'il arrive, le mec, il fait 8 mois de studio, il fait ça, il donne des salaires à son équipe, il travaille, il enregistre. Il envoie des messages. Que j'aime ou que j'aime pas, que je suis content, que je suis pas content. En plus, c'est un peu propre, tu vois, ils ont les sons, tout ça. J'aurais pas dû dire ça, tu dis pas ça, tu vois. Voilà, bon. Je vous laisse aller voir la suite pour ceux que ça intéresse, ça continue. Bon, vous avez un peu compris, il est revenu sur ses paroles, il a vu que, en gros, qu'il a parlé pour rien, etc. Et c'est tout à fait logique, pour ensuite finir sa carrière sur ce CD, Sélection Naturelle. Et vous allez voir dans ce CD, qui est sorti, je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois il y a longtemps, hein, en 2010 ou quelque chose comme ça, c'est son dernier CD d'ailleurs. Pourquoi j'en parle? Parce que faut savoir qu'il y a des vrais et il y a des faux. Nesbill a commencé bizarre, mais aujourd'hui, il est où? Il a quitté ce business. Il a quitté le rap, le système, le game. Pourquoi il a quitté le game? Il aurait pu continuer à faire des CD comme Youssoupha, alors qu'il clashait Youssoupha à la base, et Médine. C'est pour ça que je parle de lui, Nesbill. Écoutez bien. Il aurait pu faire comme eux. Continuer à faire 1 million d'albums comme Kerry James. À 40 ans, il continue encore, le gars. Mais non, il a arrêté. Il s'est réveillé, il a arrêté direct. Tel Salif, tel Buffa, tel... plein de rappeurs qu'ils ont arrêté par intelligence, entre guillemets. Comme moi d'ailleurs, je me mets dans la liste aussi. J'ai arrêté pour ça. J'ai arrêté à cause de ça, le rap. Moi aussi, j'étais dans un de ces rappeurs qui... Et d'ailleurs, Nesbill, à l'époque, à mon avis, il me mettait dans la liste. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Faut le savoir que il y a
Il y a agir et agir. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Bah voilà, Kerry James, Medine, Youssoupha. Jusqu'à 60 ans, vous allez continuer à faire du rap pour aider personne. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui arrêtent parce qu'ils ont compris que c'est un milieu de merde qui va aider personne. Justement, j'ai fait ma vidéo là-dessus. Quand j'ai compris, moi aussi, que le rap ne va jamais aider personne. Ce que j'aime bien dire, c'est que le rap confirme ce que tu sais déjà. Faut pas mélanger, les gars. Quand on dit, ouais, non, le rap peut nous apprendre des trucs. Non. Ça confirme ce que tu sais déjà. Ce qui t'a appris, c'est le livre ou tes parents. D'accord? Maintenant, voilà. Pour propager un message positif, pas de problème. Mais ça t'a rien appris et ça t'a pas aidé. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, quand j'ai compris cela, j'ai bien fait de m'en écarter. Maintenant, passons à la musique de Nesbill, où lui-même se dit anti-Illuminati dans la musique. C'est pour ça que je l'ai mis dans le titre. Allez, on y va. Et je pense dire... Non, ça rien de dire chez Kemat. Ça rien. Kerry James, Illuminati. Non, pas Illuminati, mais... C'est... Ça sert à quoi de chanter jusqu'à 50 ans pour aider personne? Je répète, si c'est pour aider 3 personnes en bourse, on fait plus que ça, nous. T'as vu? Sans rapper et faire un million de concerts, être à Skyrock ou je sais pas quoi, là. Bon, il va pas à Skyrock, mais certains... Voilà, quoi. C'est en plus contradictoire. T'es produit par des feuges, ou t'es produit par des gays, ou t'es produit par des pédophiles. C'est quoi le... Bon, allez, je continue. Écoute, Nesbill, c'est mieux, il va répondre. Qui me trahissent, ou qui me craignent. Sélection naturelle. Et je répète, je vous invite ni à en faire, ni à en écouter. Mais on peut partager le bon message. Je commence ce chapitre comme je commence chaque jour de ma vie. En remerciant tout puissant d'être encore en vie. Dieu. Au fond du puits, les ailes brisées. Je suis un homme libre, j'en ai payé le prix, je suis épuisé. Ouais. Je suis seul à franchir la ligne d'arrivée. On était 40 au départ, combien finissent avec un point de côté. On a coulé 10 fois, donc on s'est nagé. J'ai du mal à faire des projets. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. La dernière aurait dû nous rendre plus solitaires. C'est tout le contraire, elle nous désunit. Transforme la tessie en cimetière. Ouais. Dernières illusions, perdues dans le palais des chimères. La migration des gnous, un million de fantassins traversent la rivière. Je ferai dérailler le train de la monnaie comme Vic Mackey. Lyriciste, mon syllopique, j'irai pas au procès. J'ai au pantin, clown triste, on l'invite pas au banquet. Les rails arrêtent de jacter. Je suis pas inquiet. C'est ce que je pense aussi, Ariel. Il a arrêté pour se ranger. Comme Salif, etc. Sélection naturelle. Sélection naturelle. Aïe, Illuminati. Basta avec, big up. Voilà, il est dans la team, hein, c'est lui qui l'a dit, Illuminati, il a pas dit, hein, d'accord, lui, dans le game, il parle de quoi, de qui, il délire, il invente, il ment, il est jaloux, ok, bref, il a arrêté de lui-même, je répète, il est parti de lui-même. Il a chanté avec Booba et tout le monde, hein. Torturé, je me soignais, prisonnier de la matrice, je vois la perche s'éloigner. Prisonnier de la matrice. J'ai le cœur sombri par la douleur, l'espoir mandaté pour les voyous se cachent quand ils pleurent. Ouais. Je suis seul sur mon radeau, je me suis cassé. Oh, je suis même pas au courant, Emma. Épaules, ma soeur, trop lourd et fardeau. Je marche sur les chemins du chaos. Passe-moi les jumelles, que je voie autre chose. Avant que tout explose, j'aimerais m'envoler. Choix de mes échymoses par la prose. Maman, j'ai les ailes brisées. Je ferai dérailler le train de la monnaie comme Vic Mackey. Lyriciste, non syllopique, j'irai pas au procès. Tiens, au pantin, clown triste, on l'invite pas au banquet. Les rails de S, exact. Je suis pas inquiet. Ah, mais il a fait du lourd à l'époque aussi. Hein. Il y a des sons qu'il a fait extra lourd à l'époque. Mais là, on voit que c'est plus spirituel. Ça n'a rien à voir avec hein, les meufs à poil et compagnie. Sélection naturelle. Illuminati, je suis pas esclave de l'oseille. Bravo. Je suis plus esclave de l'oseille. Plutôt, non? Bref. Voilà, vous avez compris pourquoi je voulais partager absolument ce message. On voit le twist pour les jeunes. Vous voyez le twist. Quelqu'un qui a commencé dans votre game là et aujourd'hui qui s'est réveillé et qui a arrêté. Parce que ça ne mène à rien, ça ne change rien. Et surtout, comme je dis, ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Et Kerry James, c'est bien la preuve. Ça aide qui de chanter? Non. Tu aurais pu travailler à la poste pour aider les gens en bourse aussi, comme tu fais là. Tu peux travailler à la poste pour le faire. Tu n'es pas obligé de rapper et aller dans les radios comme un enfant faire des interviews là. Bon bref,
Je l'ai déjà dit, je suis obligé de le dire parce que justement Nesbitt montre bien. Lui, il est parti de tout ça là. Pourtant, lui, il rêvait d'être le numéro 1 Jay-Z de France, être un Jay-Z de France, même à la place de Booba carrément. Nesbitt était dans ce délire là. De lui-même, il s'est barré. Mais on voit encore des gens comme Kerry, etc., des Medine, Youssoupha, qui sont encore dedans. En sachant qu'en plus, faut pas se mentir, il y a quand même plein de frères qui, voilà quoi, qui sont pas d'accord avec tout ça. Mais eux, ils insistent, ils sont encore dedans, et ils mélangent ça en plus à l'islam, etc. Enfin bref, au lieu de passer à autre chose, bordel, faites comme Nesbitt, faites comme moi d'ailleurs, passez dans les vidéos, vous aiderez beaucoup plus en vidéo, les gars, au lieu de faire des musiques de merde. Faites des vidéos pour dénoncer et dire des vraies choses. Voilà, allez, j'en reste là, big up à tous, big up à Nesbitt pour le changement, big up aux frères qui vont comprendre ce que je dis, big up aux frères qui valident le rap conscient, entre guillemets, même si je répète, ça sert à rien non plus de se casser les couilles avec ça, mais voilà quoi. C'est mieux que le game en tout cas, hein. Mieux le conscient que le game, qu'on soit bien clair. Allez, portez-vous tous bien, salam, ciao. Grosse source d'inspiration, aucune pitié pour piller des nations. Attention, il n'y aura pas de lettre de réclamation. Pas de soucis tant que le troupeau est en mode programmation. Si tu l'ouvres, ils vont te bannir pour tes actions. À vouloir te noyer, mais nous sommes à l'aise comme des poissons. Pour les sans-abri dans le froid, nous sommes une toison. Et pour leur programme satanique, nous sommes du poison. Bonne réputation, malgré les choix, faudra choisir la bonne action. C'est pas facile de se battre entouré millions de moutons, ni de faire le figurant. La vie, c'est pas un film de science-fiction. Faut avancer, pas se laisser guider par ses passions, ni par la peine du gars qui te rend froid comme un glaçon. Pense à tes parents pour pas finir mauvais garçon. Pense à tes enfants pour pas qu'ils finissent en prison. Prison. Préfère sonner au lieu de faire ses multiplications. Préfère jacasser au lieu de passer à l'action. Envoie le sida pour tuer toute une population. T'envoie des fonds aussi d'action. Dans le fond, pas de remède au mensonge, c'est une technique de manipulation. Trop de suiveurs mais pas du bon. Ce qui fait de nous des humains, c'est la honte et l'intimidation. Ce qui te fait de nous des humains, la honte et l'intimidation. À se remettre en question, sauf pour Diponi peut facilement changer de veston. Montrer sa vraie face face à une arrestation. Montrer sa vraie race face à l'intimidation. Leur mauvaise foi crée des guerres entre les nations. Ils choisissent leur camp en fonction de combien ils gagneront. Devant les anciens trahis par le moindre de leur action. Ils changeront rien à part devant le maître de la création.